Livrez-moi ce garçon ou attendez-vous au pire. Attrapez-le! Empêchez-le de s'enfuir! Je hais ma sœur. Et je hais sa magie. Alors c'est toi l'élu? Qui te l'a dit? Non, tout le monde ne parle que de ça, salut. D'ailleurs, moi, si j'étais un héros, je filerais voir l'oracle du Sud. Et où se trouve-t-il, cet oracle du Sud? Eh bien, au Sud. Le dragon porte-bonheur. Appelle-moi Flygirl. Tiens, prends les commandes. Le couvent des étoiles. Amarcante. La ville du brouillard. La mine aux images. Regarde droit devant! Génial, tu as réussi. Non. Tu as réussi. Attention! Bastien? Je peux savoir ce que tu fais? Eh ben, je travaille mon swing. Ne t'ai-je pas dit que le golf était un jeu de plein air? Qui font 62. Waouh! Là, tu exploses le plafond de ce qu'on dépense pour un cadeau d'anniversaire. Je veux lui offrir un truc spécial. Mais on dirait qu'il a déjà tout. Même une fusée? Une île déserte? Un savon qui sent bon? Je voudrais trouver mieux qu'une cravate. Ça, il faut reconnaître qu'il n'y a rien de pire qu'une cravate. Si, des chaussettes. Qu'est-ce que tu lui avais offert l'an dernier? Justement, des chaussettes. C'est ma mère qui les avait achetées. J'y étais pour rien, moi. Ah, moi, le savon, c'était mon idée. Il était vraiment pas cher. Mais il a fondu dès son premier bain. C'est bien connu, choisir un cadeau, les garçons ne savent pas. Je vais y aller avec vous et on trouvera quelque chose. Hé, hey, t'as vu les chouettes blousons qu'ils ont cette année? Pourquoi, dès qu'on fait du sport, il faut s'habiller tous pareil? Comme ça, tout le monde sait que t'es dans l'équipe. Ou au moins que ton petit ami en fait partie. Mais pour ça, bien sûr, il faut faire du sport. J'en fais du sport. Connor, tu ne peux pas dire que taper sur ton petit frère en soi. Si. La boxe. Tu ne veux rien entendre, alors n'en parlons plus. Excuse-moi. Ce n'est rien. Ça va? Très bien, très bien. En fait, non. Je sais ce qui ne va pas. C'est ce qui vient de se passer. T'as entendu ça? Ne change pas de sujet. Tu sais très bien de quoi je parle. Ah, je vois, oui. De ton baiser. Oh, dis surtout que c'est toi qui m'as embrassé. Mais je sais que ça n'avait rien de personnel. De personnel? Ce n'est pas important, tout le monde s'embrasse. Ah non, chez moi ça se passe pas comme ça. Les baisers chez nous, on les prend très au sérieux. C'est quoi ce bruit? C'est toi qui changes de sujet maintenant. À mon avis, ça vient de là. Où vas-tu? Voir si nous sommes en danger de mort, chose que nous, les peaux vertes, prenons aussi très au sérieux. Il y a quelqu'un ?
Est-ce que ça te pose un problème? C'était juste une question. Que viens-tu faire dans ces parages, jeune homme? Je cherche l'oracle du Sud. Viens donc, qui es-tu? C'est l'enfant impératrice qui m'envoie. Elle n'a plus beaucoup de temps, il faut faire vite. De temps? Qui a jamais dit que l'existence de l'impératrice se mesurait en termes de temps, en années? Elle se mesure en nombre de noms. En noms? Mais combien de noms une personne peut-elle avoir? Oh, un seul nom à la fois. Un nouveau nom pour une nouvelle impératrice. Une nouvelle impératrice pour un nouveau nom. Mais ce nouveau nom, comment dois-je faire pour le... Et il ne se trouve pas en un lieu où tu n'as jamais été. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache qu'ici, c'est moi qui pose les questions, compris? Je vous en prie, l'enfant impératrice a remis son sort entre mes mains. Voyez, elle m'a confié Aurine. Qui t'a jamais dit qu'Aurine te conduirait à l'oracle du Sud? D'abord sur 20, ensuite sur 2, et pour finir, sur 12. Tu ne devrais pas laisser l'argent dans ton casier. Il est plus en sécurité ici que dans le vestiaire. Qui lâche un écu, ne le revoit plus. Conseiller enquête héroïque. J'ai contribué à conduire des centaines de héros tels que toi auprès de l'oracle du Sud. Rip! Oh, hey, Rip! Non, non. Je pensais pourtant ne jamais revoir ta face ambiguë traîner par ici. Toujours aussi désagréable. Seulement pour ta gouverne, je nous ai trouvé un nouveau client. Un nouveau client? Encore un de ces héros en quête de réponse? Ben, mon cœur est là, je n'ai plus envie. Allez, secoue-toi les tripes, Rip. Ce garçon est un client sérieux. Je peux compter sur une main le nombre de héros qui ont franchi la porte de l'énigme. Oui, mais celui-là, il a l'air très bon. Arrête. Je t'assure, bien conseillé, il réussira. Et il en parlera à ses amis, qui en parleront à leurs amis. Et bientôt, on sera tellement sollicité qu'en très peu de temps, on pourra prendre notre retraite. Je me considère déjà en 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 retraite. Qu'est-ce qui se passe? Envolé! Tu es sûr qu'on est sur le bon chemin? La tortue l'a dit, l'oracle, c'est par là. Qui peut se fier à une tortue? Une tortue n'a pas de raison de mentir. D'accord, admettons que nous allons le trouver, cet oracle du Sud. Mais ton copain a carapace, est-ce qu'il t'a dit ce qu'on devra faire lorsqu'on l'aura trouvé? Ou est-ce que tu fonces tête baissée sans en avoir la moindre idée? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Je n'ai aucune envie de finir comme ces gars-là. Et de qui tu parles? Comment est-ce possible? Il devait certainement foncer tête baissée. Ah, oh, c'est pas vrai! Je m'absente à peine 2 semaines et voilà le résultat! Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire, Fouin? Enfin, qui les verra? Notre nouveau client. Regarde-moi ça, c'est décourageant! Moi-même, allez voir, je suis découragé. La petite tête de Fouin, c'est lui qui m'a parlé de l'oracle du Sud. Allez, donne-moi un coup de main, tu veux. Hé, vous! Comment êtes-vous arrivé ici aussi rapidement? Ah,
volant. En volant. Non, je rigole. Qu'est-il arrivé à ces gens? Ils ont croisé leur destin. Oui, ils faisaient route tout seuls. Cela étant dit, en quoi pourrions-nous vous être utiles? Dites-nous juste où se trouve l'oracle du Sud. Nous verrons pour le reste. Combien de fois ai-je entendu cela? Oui, s'ils pouvaient parler, ces garçons, nous diraient qu'ils n'ont pas suivi les cours de quêtes héroïques. Ça me gêne de te le rappeler, mais je t'avais prévu. Tu m'as vu les mettre dans mon casier, n'est-ce pas? Je suis donc un témoin. Oui. Ou un suspect. N'importe quoi. J'avais le mobile. L'argent, ça se dépense. Les moyens, je connais la combinaison. Et l'opportunité... Seulement, tu as un alibi. Tu étais en gym avec moi. Oh, un para. Donc, il ne reste plus qu'à trouver celui qui avait le mobile, les moyens et l'opportunité... Laisse passer. Connor? Il était là, tout près de nous. Alors, tu peux dire adieu à tes pauvres billets. Tu ne te vois quand même pas aller accuser Connor de t'avoir volé. Parce qu'en effet, c'est lui. Il n'ira et il te tapera. Et si jamais c'est pas lui, il te tapera tout de suite. Alors qu'est-ce que je devrais faire d'après vous? Aller voir le principal, alerter la police et faire fouiller son casier. Et vivre dans la peur pour le restant de mes jours. Il est ici? L'oracle du Sud? Disons que tu te trouves, comment dire, oui, à la porte qui te conduira jusqu'à ton ultime destination. En effet, au-delà des arbres que tu vois ici, se tient la mystérieuse, l'énigmatique, la seule et unique, l'extraordinaire. Tu as deviné la porte de l'énigme, et voilà. Il faut que j'y aille. D'accord, je vous remercie de votre aide. Attends, les difficultés ne s'arrêtent pas là. Tu veux arriver jusqu'à l'oracle du Sud? Alors, il faut suivre les cours. Ne vous inquiétez pas pour moi, je me débrouillerai. J'avais l'intention de le mettre en garde, mais ça m'est sorti de la tête. Car nombreux sont ceux qui ont essayé, mais peu ont réussi. Combien? Je ne révèle pas nos statistiques. Trop mauvaise publicité. Eh bien, où est-il? Parti. Oh non, c'est pas vrai. Encore un qui veut tout faire tout seul. Je reviens. De la vie. Et même si tu as résolu d'aller mourir pour la gloire, tu pourrais réfléchir au tort que ça va me faire à moi et à ma réputation. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où tu es? À la porte de l'énigme, je suis bon en devinette. Ah oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'homme qui le fait n'en veut jamais. L'homme qui le paie ne s'en sert jamais. L'homme qui s'en sert ne le sait jamais. Dis-moi ce que c'est. Voyons, laisse-moi une seconde. Une boîte, un cercueil, c'est bon? Oui, c'est encourageant, ce n'est pas mal. Une autre maintenant. C'est la dernière chose que l'on fait et la dernière que l'on veut faire. La dernière chose qu'on veut faire, c'est... Ah, mourir. Tu as vu des panneaux ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des tas de héros beaucoup plus expérimentés que toi ont eu besoin de mon aide pour atteindre l'oracle. Je suis arrivé jusqu'ici sans votre aide, je veux... Je vais tout te dire. Dans cette affaire, il n'y a pas que toi et moi. Il y a aussi mon ami et collègue, t'as vu? Eh bien, il est dans un état... Je le trouvais simplement un peu maussade. Ah, et toi et moi, on est forts, on va s'en remettre. Mais le pauvre, un coup pareil, ça risque de l'achever. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu
Tu n'as qu'à signer. Oui, mais qu'est-ce que je vais signer? Ton inscription au 12e niveau de cours de quête héroïque. Il a besoin de travailler. Et d'avoir un peu de réussite. Tu n'as pas vu ça. Hé, connard! Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'ai quelque chose à te demander. J'avais de l'argent, on me l'a piqué. T'oserais dire que c'est moi qui te l'ai pris? Mais non, bien sûr que non. Jamais de la vie. Ce que je voulais te demander, c'est si tu savais qui c'était. Ça revient au même. Tu crois que si j'avais réussi à te voler ton blé sans me faire prendre, j'irais m'accuser ensuite? Non, c'est évident. Alors voilà ce que tu aurais dû me dire. Connor, je sais que tu ne m'as rien piqué et je m'excuse de t'en avoir parlé. Alors je te le dis. Merci. Je vois tes yeux, tu vois les miens. Quand je lève la main droite, toi c'est la gauche que tu lèves. Maintenant dis-moi, qui je suis? Enfin réfléchis. Chut! Ne te déconcentre pas. Un miroir? Bingo! Vêtues de noir, elles sont partout présentes, mais disparaissent de désespoir dès que le soleil s'absente. J'ai trouvé les ombres. Bingo! Je vous l'avais dit que j'étais fort en devinette. Plus il y en a et moins on voit. Allons. Ça va venir, je l'ai sur le bout de la langue. Mais... Une petite seconde. Oh. L'obscurité! J'allais le dire. Allez, une autre. Tu ne vas pas continuer, tu n'as pas besoin de cours pour résoudre ce genre d'énigme. Tu crois sans doute que la porte de l'énigme, ce n'est qu'une énigme. Détrompe-toi. Super ton blouson, très chouette. Dégage. Je me suis mal fait comprendre, je le veux, c'est clair? C'est un nouveau jeu, là, ou quoi? Ouais, c'est ça, c'est un jeu. Je te donne les règles. Alors, je te file 50 balles et tu me files ton blouson. Très marrant comme jeu. Je crois que t'as pas assimilé toute la règle. Ce blouson, ou tu me le vends, ou je te l'arrache. J'ai déjà vu ça quelque part. Ah, ça y est! Sur vos clients précédents, changés en statue de pierre. Ah, non, celles-là étaient de vieilles amulettes. Celles-ci sont toutes neuves et surtout bien meilleures. Faut dire que tout avait besoin d'être amélioré. J'ai pas tout compris. Je porte tous ces talismans et avec ça j'échappe au sphinx, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Tu fonces comme un dératé jusqu'à la porte suivante! Pas tout à fait d'accord. Selon mon expérience, les héros ne doivent jamais se départir d'une certaine dignité élégante. Regarde-les, c'est des menteurs ces deux-là. Jamais personne n'a réussi à passer. Ils ne savent rien de ce qu'il y a de l'autre côté. Je n'ai jamais subi une telle honte. Regarde dans quel état ton ami l'ami, Gaillon. Qu'est-ce que je peux faire? Il a besoin d'un signe, de savoir que le travail de toute sa vie n'a pas été vain. Très bien, ça va. Je les garde sur moi. Excellent! Et enfin, pour le meilleur et pour le pire... Tu te mets ça sur la tête et tu continues sans moi. Connor, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Ça y est, tu peux ouvrir les yeux. Alors... Super, hein? Comment tu l'as eu? Est-ce que tu crois j'ai intégré l'équipe? Quelle équipe? Football. Mais la saison est finie, les finales c'était la semaine dernière. Je sais, oui, je me suis inscrit d'avance, c'est tout. Tu crois que c'est du vrai cuir? Je veux que tu prennes ceci. Aurine? Oh.
si tu veux mon avis, tu ferais mieux de le remettre et renoncer à toutes ces crétineries. Non, je suis sérieux. Imagine qu'il m'arrive quelque chose demain à la porte de l'énigme. C'est à toi que l'enfant impératrice l'a donné. Tu ne peux pas t'en séparer. C'est la seule chose que je puisse faire. On ne peut ni me l'arracher, ni me le dérober. Il ne peut qu'être offert. Et je veux te l'offrir. S'il te plaît, arrête. Tu parles comme si tu savais que tu ne reviendrais pas. L'important n'est pas que je revienne ou pas. Je ne suis pas un héros. Je suis un homme ordinaire. Ce qui est important, c'est la quête. Et je sais que ce que je pourrais faire, tu le feras aussi. Je suis sûre que non. Et je sais que tu n'es pas ordinaire. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu comptes encore m'embrasser? Tu rêves? Autre chose. Lorsque tu fais un souhait, pense toujours bien aux conséquences. Tout a toujours des conséquences. Vous cherchez toujours? Pourquoi? Tu connais quelqu'un qui a besoin d'un travail? En fait, non, mais je venais solliciter un prêt. Il y a un garçon qui m'a piqué l'argent que je gardais pour l'anniversaire de mon père, et j'ai plus un sou. Un emprunt? Mais c'est une banque qu'il faut que tu ailles voir. Mais ils ne prêteront jamais rien à un enfant. Alors il ne reste plus que la solution de l'emploi lucratif. Vous voulez m'engager? Ça dépend. Envisagerais-tu de te faire payer? Oui, suffisamment pour pouvoir offrir un cadeau à mon père. Oh, mais tu ne veux rien lui offrir d'extravagant, j'espère, parce que tu seras mal payé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura peu de boulot. Très bien. Je commence quand? Quand tu voudras. La poussière ne va pas se sauver. Atreyu? Atreyu? Atreyu! La règle numéro un, toujours croire en son produit. Oh, tu penses que tes idées stupides suffiront à aider ce gars? Allez, ça y est, tu es retourné à la spirale morbide de tes pensées négatives. Je pense simplement à ce pauvre ballon nanti de ses amulettes de pacotille. Non, arrête, tu ne lui as pas donné les bons talismans. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Jamais nous n'en avons eu de bons et tu le sais. Il m'énerve. Que l'existence de l'impératrice se mesurait en temps, en années. Si tu vas selon ton cœur, tu trouveras ton chemin. Atreyu, fils de tous, je commence à comprendre pourquoi l'impératrice t'a choisi, Atreyu. Tu es ici parce que je t'ai choisi. Je ne suis pas un magicien de la guerre. Tu as choisi la bonne personne. Peut-être que je ne croyais pas avant. Je dois le croire maintenant. Non.
piégé. Une autre carte magnifique. Aïe, 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 mais qu'est-ce que vous faites? Ce que j'aurais dû faire dès que je vous ai vu. Vous n'êtes qu'un menteur, un embobineur, un emberlificoteur, et en plus, vous sentez mauvais. Arrêtez-la, vous exagérez. Mon ami a peut-être quelques défauts, mais il a une hygiène parfaite, sachez-le. Et il s'est beaucoup investi dans votre héros. D'ailleurs, en parlant d'investir, nous demandons un supplément pour le transport des pierres. Eh oui. Transport de quoi? Il s'est volatilisé. Disparu? Il ne reste rien, c'est affreux. Non, rien, à part ça. Faut-il le croire? Le brave petit a réussi. Il l'a franchi, il est au niveau suivant. Je t'avais dit qu'il était bien. On va enfin décoller. Bingo! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis resté sur la touche bien trop longtemps. Attends, ne va pas commettre d'imprudence, hein. Je la veux, ma place au soleil. Je les veux, mes moments de gloire. Restez où vous êtes. Je vais, je pars, car voici l'heure. Regardez ce que vous avez fait. Moi? À peine évoqué, il en est brisé. Qui est-il? Le silence. Bingo! Plus on en fait et plus on en laisse derrière soi. Les pas. Bingo! Qui peut couler sans jamais naviguer? Le nez. Bingo! N'y allez pas! Hey, cesse de faire l'idiot! Donnez-lui à manger et il vivra. Donnez-lui à boire et il mourra. Mais... Il n'avait pas encore donné la solution. Et maintenant, où il est allé? Pourquoi il s'est figé, hein? Bingo! Ah! Hé, hey, t'as vu mon blouson? Ben ouais. Tu sors avec un mec d'une équipe? Non, c'est Connor qui me l'a passé. Connor? Oh non, tu sais comment il l'a eu? Il a rejoint l'équipe. Au football? Tu ne vas pas croire à une chose pareille, non? Ça te rend jalouse que quelqu'un m'apprécie assez pour me l'offrir? Tu y crois? Non, mais je rêve. C'est vrai. Hé, hey, Marley, te sauve pas! D'où il vient, d'après toi? Tout ce que je sais, c'est qu'on a piqué pas mal d'argent à Bastien. Et que maintenant, tu as un blouson de l'équipe, offert par quelqu'un qui n'est d'aucune équipe, compris? Vous savez que vous m'êtes redevable. De quoi? De notre cours de quête héroïque. Sans nous, votre ami n'aurait jamais franchi la porte de l'énigme. Vos cours étaient bidons. Vos amulettes étaient remplies d'eau et vos devinettes stupides étaient une insulte au bon sens commun. À la réflexion, je crois que vous devriez partir très vite. Vous me cassez le moral. Et vous croyez que je vais bien? Qui s'en soucie? Personne. C'est vraiment ce qui s'appelle une sale journée. Mon camarade est statufié et moi, je suis pétrifié. Je suis désolée. Si vous l'aviez connu quand il était bien. Ouais, c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Au sommet de son art, à sa grande époque, il était capable de vous déverser un tombereau de fumier et de vous vendre ensuite une pelle pour vous dégager. Non, c'était un vendeur hors pair. Ah, vous aussi, vous vous défendez bien, je peux vous le dire. Je ne serai jamais Rip Rowdy. Rendez-vous compte, même nos échecs, il arrivait à les rentabiliser. Il faisait comment? Il les vendait. Un peu de patine, un tapis de dahlia, et tout le monde voulait une statue dans son petit jardin. Chez vous, la personne n'existait pas. Les héros avaient vocation à devenir marchandises. Ça vous tenterait, la vente au détail? Hé! Hey, il est super! Ouais, j'essaye de trouver le pauvre gars à qui il appartient. Qu'est-ce qui te prend? Il t'appartient, je te l'ai donné. Je me suis renseignée. Au foot, il n'y a aucune inscription anticipée. Ça change quoi? Ce blouson, tu l'as acheté. Ouais, je l'ai acheté pour toi, parce qu'il te plaisait. Avec de l'argent volé? Qui t'a parlé de ça? Pauvre type. Quand moi, j'aime pas... Hé! Hey!
Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Mon t-shirt, ma montre? Le blouson, je te le rends. Tu m'as bien eu. Regarde, le cuir est râpé. En quoi ça me concerne? Maintenant, il est à toi, salut. Je veux récupérer mon blé. Tu vas être déçu, je crois. Je l'ai plus, je l'ai dépensé. Oh, bon sang. Dis-moi, mon pote, qu'est-ce que tu t'es payé? Tiens, je prends les CD et toi, tu as le blouson, ça va? Non, ça va pas. Le blouson est usagé, ils sont neufs, les CD. Si tu veux, je rajoute 50 balles. Ils sont neufs, ils sont même pas déballés. Alors 60. Je peux savoir ce que je dois en faire? Tu vois pas le cadeau que ça peut faire? Ce que je veux, c'est récupérer mon argent. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Alors je voudrais que tu m'expliques ce qui fait que tu veux m'offrir des CD. Je suis un mec sympa, rien que ça. Qui a un copain qui doit faire un cadeau pour l'anniversaire de son père. C'est du rap, je te signale. Et mon père déteste le rap, tu vois. Justement, faut l'initier. Fais-moi confiance, il n'y a rien de tel que la musique pour resserrer les liens familiaux. Oui, je le pressentais. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Ne pas t'effrayer. Ma sœur aime à faire son entrée. Restez sereine. Allez-vous-en. Tout va bien. Assez, j'étouffe. Ma chère sœur, navrée d'être un peu en retard. Je suis bien aise de te voir assez forte pour arriver à faire ce que tu fais. Tu as bonne mine, Exaïd. J'aimerais pouvoir te dire pareil. Cela me peine de te voir aussi pâle, alangui et sans défense. Et encore en vie, surtout. C'est vrai. Mais pour combien de temps? N'aie pas peur. À ta dernière heure, je serai auprès de toi. Et quand il te faudra t'en aller, c'est bien sûr avec tristesse et dignité que j'accepterai le manteau chargé de tant de symboles. J'apprécie ton affection et ta sollicitude, Xaïd. Mais tu viens trop tard. Mon successeur, je l'ai déjà trouvé. Ce jeune humain. Et je sais qu'en ce moment précis, il forge et façonne sa destinée. Alors, voilà la marche à suivre. S'il arrive, ce qui m'étonnerait, qu'un client s'aventure en ce lieu, je te veux poli, mais ferme aussi. Et si cet égaré veut acheter un livre, eh bien tu m'appelles, je ne suis jamais très loin. Pourquoi vous faites ça? Histoire d'avoir un œil sur mon employé. Il s'agit d'une carte de Fantasia. Mais... maintenant, que faut-il que je fasse avec? C'est là l'énigme.
Je t'apporte un présent qui t'aiguera un peu. Oh, qu'est-ce que c'est? Stop! Que personne n'avance. Tu t'affaiblis? Ton pouvoir s'évanouit? Où est-il, ton héros, chère sœur? Tout va changer bientôt, tu verras. Je crois que tu confonds tes rêves avec la réalité. Atreyu mettait tout en œuvre pour résoudre l'énigme. Il se dit que s'il parvenait à retrouver tous les noms de lieux sur la carte vierge de Fantasia, il se souviendrait aussi de... La mine aux images, le couvent des étoiles, Amargante, la ville de Brouillard. Ça ne marche pas. Une carte vierge, qu'est-ce qui manque? Qui a jamais dit que l'existence de l'enfant impératrice se mesurait en termes de temps, en années? Elle se mesure en nombre de noms. Des noms, bien sûr. Ce nom peut-il être... Je sais pas... Nom dans un lieu que tu as déjà visité. Donc hors de Fantasia. Voilà, c'est ça. La réponse est... Nulle part dans Fantasia! Qu'est-ce que tu as? Se pourrait-il que tout soit enfin terminé? En aucun cas tant que mon cœur continuera à battre. Et jusqu'à quand va-t-il battre? N'y vois aucun mauvais esprit. Mais pourquoi retarder l'inéluctable? Grande fut la surprise d'Atreyu, au lieu de sa propre image. Un jeune humain. Atreyu voyait celle d'un garçon de 12 ans, assis près de la caisse d'une boutique pleine de vieux livres et d'objets rares. Une boutique pleine de vieux livres? Atreyu était fasciné par l'image de ce garçon, qui semblait le regarder aussi. Un million de questions se bousculaient dans sa tête. Que puis-je pour vous? Merci. Bon anniversaire. Très intéressant. J'en connais aucun. C'est du rap. Oui, j'ai appris à lire. Je me suis dit que si on écoutait la même musique, ça pourrait t'aider à mieux me comprendre. Ben oui, j'y avais jamais pensé.
Mais si moi j'écoute ta musique, peut-être que toi tu pourrais écouter la mienne. Et c'est quoi ta musique? Eh bien, les classiques, bien sûr. Tu veux dire Beethoven, Bach? Non, je n'ai pas 300 ans. Non, les classiques de la vague punk. Les Sex Pistols, les Ramones, Clash. C'était ma drogue à l'université. J'ai bien fait de pas t'offrir une cravate. Le visage du jeune garçon disparut dans le miroir et Atreyu retrouva sa propre image. Atreyu ! Oh, un miracle serait-il en train de se produire ? Ma pauvre et si chère sœur douce, enfin, tu m'as fait des frayeurs. Tu sais, l'enfant que tu as connu n'existe plus désormais. Tes chevaliers sont un peu envahissants selon moi. Alors dehors! Non! Je sais où tu veux en venir. Je vois clair dans ton jeu. Écoute-moi, je t'interdis de m'échapper. Tu as beau te sauver dans les vapeurs et les miroirs. Je te poursuivrai où que tu ailles. Quoi que tu deviennes, ta perte sera ma gloire. Ne crois pas que j'en ai fini avec toi, petite sœur. Ça ne fait même que commencer. Cherche quelque chose? Ah non, mais je suis sûre que quelqu'un m'observait. Vous allez croire que je suis fou, mais enfin, j'étais assis là, tranquille. Et puis, je sentis son regard perçant qui s'est posé sur moi. Et vous ne devinerez jamais qui c'était. Atreyu, le héros de l'histoire sans fin. Peut-être que tout ce qui s'est passé provient du miroir. Non, je crois qu'il est normal. C'est le livre qui est spécial. C'est comme les personnages dans l'histoire, mais je sais pas ce que je dois faire. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Et moi, je sais parfaitement ce qu'il faut faire. D'abord, tu te mets là. Là, d'accord. Ensuite, fais comme si tu lisais. Tout sera révélé. Exact. Les bonnes histoires non racontées doivent être lues.